dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis sont connectés là. Je voudrais encore réitérer à tous les téléspectateurs, les internautes, les auditeurs de Fête Radio que le pasteur Caleb Ngwatanga que je suis est pourchassé. Pendant qu'on faisait les délivrances tout à l'heure là, on m'a soufflé que ce n'est même pas seulement dans la maison principale où j'habite, mais c'est un peu, je dis quoi, partout où on a des camps, les gens sillonnent. Hey mon Dieu, ils sillonnent. Donc, pour chercher à savoir si je me suis caché là-bas ou dans l'une de ces maisons, dans l'un de ces camps, ils sont en train de sionner partout. Ils partent partout, dans les écoles, pour me chercher. Ah. Peut-être vous m'attirez dans les champs pour me chercher. Je n'ai aucun parent. Ma famille, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Passer par n'importe quel autre moyen, vous n'aurez pas ma tête. Tant que je n'ai pas encore accompli ma mission sur cette terre. L'autre jour, moi, je pleurais devant Dieu. Que voilà déjà. Jésus, toi, tu es venu sur cette terre. À 33 ans, tu avais déjà fini ta mission. Et tu as parfaitement fait. À la croix, il a dit, tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Moi, j'ai déjà dépassé le temps que Jésus a passé à faire sa mission de 27 ans. Mais je n'ai pas encore accompli ma mission. Je pleurais devant lui que je voudrais accomplir ma mission sur cette terre. Je veux partir étant satisfait que j'ai accompli ma mission. Comme Paul disait que j'ai achevé ma mission, la tâche. J'ai couru. J'ai combattu le bon combat. Donc, vous devez donc le savoir. Ça, c'est juste pour informer. Puisqu'ils veulent faire ça à la sourdine, c'est-à-dire m'enlever à la sourdine, donc, vous devez donc savoir que c'est ça qui se passe, qui se prépare. On veut me faire comme on a fait à Martinez Zogo. L'enlever, aller le torturer, l'assassiner. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils ont commencé à me filer. Partout. Vous avez suivi le témoignage ce matin. Jusqu'à la semaine qui est passée ici. On allait prendre un fidèle du tabernacle. Ils l'ont allé le kidnapper dans son atelier. Aller le torturer. Lui faire aspirer des produits qui l'ont évanoui. Ils ont commencé à lui poser des questions sous cette pression-là, qu'il leur a tout dit parce qu'il voulait qu'il les amène chez moi. Et c'est ce qui s'est passé, juste à ce que
ils sont arrivés chez moi. Heureusement, heureusement que je n'ai pas répondu à l'appel. Parce que quand ils sont venus, ils ont pris son téléphone pour m'appeler. Je n'ai pas répondu. Et quand ils ont vu comme ça, il leur avait déjà dit qu'il ne va pas répondre. Il leur avait déjà dit ça, hein, qu'il ne va pas répondre. Et ils ont appelé, je n'ai pas répondu. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Les amis, vous autres, chrétiens, je vous interpelle à la vigilance et à l'engagement. Ce travail qu'on fait, vous imaginez qu'on laisse toutes les églises partout là-bas dans le monde, on laisse toutes les églises ici au Cameroun. Ce n'est que chez nous qu'on s'acharne. Hein, qu'on s'acharne. Ça veut dire que c'est ce lieu qui met mal à l'aise le monde des ténèbres. Et on n'a encore rien fait. Parce que quand moi je vois même l'acharnement là, je me donne que mais c'est comment même. On n'a encore rien fait. On est insignifiant. Hein? Tu dis. Mais je voulais dire, pasteur, oui, peut-être que, comme tu dis, on n'a encore rien fait. Mais le monde des ténèbres, le monde des invisibles voit devant ce qui arrive. Il me souvient que c'est généralement après le nettoyage de l'église qu'il y a toujours un mouvement. Un mouvement. Chaque fois qu'on a fait un nettoyage profond dans cette église, il y a toujours ce genre de situation. Oui, c'est vrai. Donc, et ils voient. Qu'on est en train quand même de progresser vers l'objectif de Dieu. Oui, bien sûr, l'objectif de Dieu qui est de rendre sa gloire manifeste aux yeux de tout le monde. C'est ça. Oui, ils voient. Parce que c'est étonnant. Je suis eux, peut-être les simples humains qu'ils envoient dans les lieux-ci. Je ne sais pas comment ils se comportent. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe même là? L'endroit-ci. Oui, ceux qui sont simples. Les simples. Oui, ceux qui sont simples dedans, oui. Mais qu'est-ce qu'on est même derrière après, hein? Derrière cet homme, derrière ces gens, ils sont même qui? Mais voilà leur acharnement. Voilà leur acharnement. La Bible a dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, c'est la remarque que tu fais là, que chaque fois qu'il y a un ressaisissement et une prise de conscience, c'est là aussi que eux-mêmes viennent en force. Oui. Donc pour secouer. Vous voulez aller où? C'est ça. Ça rejoint ce que tu as toujours dit, que généralement quand on voit les esprits familiers qui se manifestent pour venir c'est à l'église ça. Pour se saisir d'un des leurs, physiquement, c'est parce que la personne en ce moment-là a vraiment de se démarquer. C'est ça. C'est la même chose. C'est vrai. Quand ils voient que l'église vient de faire le nettoyage et il y a une masse qui avance vers l'objectif, ils réagissent. C'est ça. Avancer. C'est l'exhortation finale. Avancer. Ne craignez rien. Comme on disait à Conan tout à l'heure, là, que si elle priait même à 100%, ou bien elle était engagée à 100%, elle doit maintenant doubler. Ça veut dire aller à 200%. Votre vitesse de prière maintenant là doit doubler. Votre vitesse de lecture de sérieux, c'est-à-dire tout ce que vous faites comme exercice spirituel, vous devez doubler ça. Vous comprenez ça? Ça doit être votre détermination. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton nom descende sur moi. Je suis.
sont sur moi.